face. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Alors c'est le pont vers Jotunheim. Ça ressemble aux drôles de portes qu'on a vues. Je suppose que Mimir va nous aider. Enfin, si on arrive à le ramener à la vie. On pourra bientôt traduire les runes de Muspelheim. Tu saurais retourner à la maison de la sorcière? Oui. Les bois au feuillage écarlate, au sud du lac. Je sais exactement où aller. J'espère qu'elle saura ranimer Mimir. Elle l'aimait bien. Avant que tu lui coupes la tête. Incroyable! Ça doit être une branche de l'arbre monde! Atreus! Reste sur le chemin! Oui, oui, je sais. J'arrive pas à croire que Baldur soit venu chez nous. Baldur, le dieu Az! Tu t'es battu avec lui! Et t'as gagné! Oui. Un des fils d'Odin, le frère de Thor. Et maintenant, ses neveux et lui nous pourchassent. Et pourquoi? Si on ressuscite la tête, tu pourras lui demander. D'accord. Tu sais... C'est bête, mais j'espérais qu'on croiserait un géant dans cette montagne. Mais il faut croire qu'ils ont vraiment quitté Midgard. À part le serpent, c'est peut-être le dernier de son espèce. Toi aussi, t'es le dernier de ton espèce, non? C'est pour ça que t'aimes pas parler de... Mon espèce. Je veux dire, ta famille. Avant maman et moi, là où t'as grandi, t'avais bien une mère, un père. Ce n'est pas le moment de parler de ça. D'accord. Brock! 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 Quoi? C'est ma pause déjeuner! Comme si je m'amusais à te déranger quand t'es en train de te gratter les fesses, moi! Laisse-le tranquille, Atreus. Vous avez déjà gâché ma solitude. Autant vous joindre à moi, maintenant. Nous n'avons pas faim. Tant mieux. Je vous invitais pas à manger.
On a revu ton frère. Félicitations. Et je suis sûr que vous l'avez encore laissé bousiller ma hache bien comme il faut. Hmm? Voyons l'étendue des dégâts. Cette espèce de dégénéré ne serait pas fichu d'ajuster une arme correctement, même si sa vie en dépendait. D'accord. Est-ce qu'il mange assez? Je crois. Bien. C'est réparé. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez, hein? Des fois, Sindri est tellement pris par son travail qu'il en oublie de boire et de manger. Et quand il y pense, il est même pas capable de se débrouiller. À croire que je suis à la fois le cerveau et l'estomac de la famille. Il te manque. Quoi, ce bon à rien? N'importe quoi. Ce que je veux dire... Eh, tu permets? J'essaie de me concentrer, là. La pause est déjà terminée. J'ai besoin de cet alchimiste pour une création que je te demande. Atreus, comment va-t-on chez la sorcière? D'abord, il nous faut un bateau. Chez la sorcière d'ici. Par là, derrière la grande statue de Thor. J'aurais voulu qu'on fasse un voyage comme ça avec Mère. Elle savait se battre, pas vrai? Oui, elle se battait merveilleusement. T'aurais pas une histoire pour passer le temps? Quel genre d'histoire? Je sais pas. Mère avait plein d'histoires. On t'en racontait pas quand t'étais enfant? Je connaissais un homme autrefois. Ses histoires étaient brèves et instructives. C'est... bien. Est-ce que tu t'en souviens? Mets ça de côté. Nous devons continuer à pied. Hmm? Le niveau de l'eau a baissé. Quand le serpent est sorti? Oui, je le savais. Mais tu crois vraiment que la sorcière peut ramener une tête à la vie? Elle semble maîtriser son art. Et nous n'avons rien à perdre. Si jamais elle n'y arrive pas, on pourra quand même garder la tête? Non. Mais tu pourras la donner au poisson. D'accord. Stop!
Que ça mène à l'extérieur. Hey, on décode pas seulement les runes de Muspelheim. Ça contient aussi la rune de passage. Si on allait au royaume de feu. Faites demi-tour, Az. Les dieux sont pas les bienvenus, on dirait. Oh, le voilà! J'espère qu'il se souvient de nous! Atreus. Parfait. J'ajoute ça dans mon journal. Comment ça va, Charlie? Est-ce que la sortie est réussie? Qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est ce qu'il m'a dit. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dans ma tête. Charlie. Concentre-toi, Atreus. Regarde derrière toi! Hors de question! Danger! Oh!
Qu'est-ce que ça dit? Oui, père! Mort au dieu Corbeau, seigneur des pendus. Lila. Viens! Satan meetings sur tous ceux qui ont... Père, elle est là! Je suis tellement contente de te revoir! Je savais que t'étais pas mort! Bonjour. Oh! Tu pourrais ramener une tête à la vie? Je ne suis pas sûre de comprendre. Une minute. Où les as-tu eues? Tes flèches. Donne-les-moi. Maintenant. Mais on me les a offertes. Fais ce qu'elle te dit, mon garçon. Ces flèches sont très dangereuses. Maléfiques. Si tu en trouves d'autres, détruis-les sur le champ. C'est compris? Est-ce que tu as bien compris? Dis-le! Oui, j'ai compris. Si j'en vois d'autres, je les détruirai. C'est tout ce que je demande. Excuse-moi. Prends mes flèches à la place, je te les offre. Je n'en ai plus besoin désormais. Oh. Alors, c'est quoi cette histoire de tête? Oh. Est-ce que tu as la moindre idée de qui il est? C'est toi qui l'as tué? À sa demande. Il a dit que tu pouvais le ressusciter. Moi? Tu es sûr d'avoir bien compris? S'il te plaît. Mets-le sur la table. Hemley! Je n'ai pas pratiqué la magie ancestrale depuis une éternité. Maintiens-le. Voyons voir ça. Bon. Heureusement, la décomposition n'est pas très avancée et son cerveau est intact. Jolie entaille. De toutes les têtes, il a fallu que tu coupes celle-là. J'espère que tu sais ce que tu fais. Maintenant, plonge sa tête sous l'eau et ne la lâche surtout pas. Je suis sérieuse. Ça suffira. Ça a marché! Laisse-moi le voir. Mimir, tu m'entends? Oui. Bien. Oh! Bonjour Freya, ça fait longtemps. Vous avez bonne mine. J'ai uniquement fait ça pour eux. Si on me demande mon avis, je trouve que la mort te va mieux. Je me prosternerais, Votre Majesté, si je le pouvais. Je n'aurais jamais suggéré cette idée si j'avais su que Freya en personne était la sorcière des bois. Freya? La déesse Freya? Vous ne saviez pas non plus? Désolé. Quand il saura que Mimir a été libéré, Odin ne tardera pas à exprimer sa colère. Tu es une déesse? Oui, j'étais chef des vannes autrefois. Mais plus maintenant. Et tu n'as pas jugé bon de m'en informer? Est-ce que par hasard, tu aurais l'intention de me faire la morale à ce sujet? Allons-nous-en, Atreus. Mais... Maintenant. De rien. Pourquoi t'as fait ça? On ne peut pas lui faire confiance. Parce que c'est une déesse? Aurais-tu oublié tout ce que je t'ai appris? Mais elle nous a beaucoup aidés. Elle a menti. Certaines personnes tiennent à leur intimité. Ne les juge pas trop vite, frère. Quand j'aurai besoin de ton avis, tête, je te le demanderai. Comme tu voudras. Emmène-moi au temple de Tyr dans le lac des Neufs et je vous guiderai vers Jotunheim comme promis. On connaît ce temple. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Rien moins que le dernier géant vivant de Midgard. Qui mieux que lui pourrait nous indiquer la route? Le serpent monde? Attends, tu sais comment lui parler? Mais oui! Il parle une langue obscure, encore plus vieille que ces montagnes. Plus personne ne la connaît à Midgard. À part moi, bien sûr. C'est vrai? Oui! Ça ne se voit pas au premier abord, mais Jormungand cultive l'art de la conversation.
est-ce que Freya t'a craché au visage? Non. Parle-nous de Baldur. Il prétend que rien ne peut le blesser. Oui, une Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Les fanfaronnades d'un dieu, tout le monde a un point faible. Sauf lui, j'en ai peur. Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Tu viens de le dire, Mimir. Ah oui. Quelle est la source de son pouvoir? Eh bien, dans mon souvenir, ça impliquait... un sortilège. Mimir? Mon cerveau n'est pas encore tout à fait revenu à la vie. Laissez-lui un petit moment pour finir de se réveiller. J'espère qu'il n'est pas cassé. Mimir, on est sur le lac. Parfait. Amarre-nous près du pont. Mimir, tu m'as jamais dit pourquoi Freya t'avait craché au visage. Eh bien, elle me reproche d'être en grande partie responsable de sa condition actuelle, et elle n'a pas complètement tort. Cela remonte à la grande guerre entre les As et les Vannes. Avant celle-ci, les As gagnaient aisément toutes les guerres, mais les Vannes leur tenaient tête et rendaient coup pour coup. Les deux camps subissaient de lourdes pertes, et pour beaucoup d'entre nous, honnêtement, la guerre n'était plus un plaisir, mais un gâchis insensé de précieuses vies. Tu n'es pas d'accord, mon frère? Je le savais. Effectivement, c'en était assez. Le conseiller le plus brillant d'Odin se résolut enfin à trouver une voie plus éclairée. Il décida de négocier un traité de paix entre les dieux. Il dut se montrer très convaincant, car Odin finit par accepter d'épouser son ennemi juré. Une déesse vanne, légendaire tant pour sa beauté fertile que pour sa maîtrise de la magie. Des trésors provenant de tous les royaumes. Tu penses que Fafnir est aussi allé à Alfheim? Je ne sais pas. T'es pas curieux? Il a l'air intéressant. Nous allons dans sa réserve pour récupérer des choses qui pourraient servir. Pas pour en apprendre plus sur son nain. Fafnir était quelqu'un de très intéressant, petit frère. Je te conterai peut-être son histoire un jour. Vous avez trouvé quelque chose dans la réserve de Fafnir? Comme une pierre à aiguiser? Ils ont dû arriver avant nous. Go!
C'est fermé. Trouvons un autre accès. Atreus, ici. Oui, père. Atreus. Ça ressemble à un dessin. C'est peut-être une carte. Oh, peut-être une carte au trésor. Les pillards ont réussi à rentrer, on dirait. J'espère qu'ils n'ont pas emporté tout le trésor. Y'a que des gros et des drogards ici. Pas de trésor magique, ni de pierre à aiguiser. N'espère rien, mon garçon, et tu ne seras jamais déçu. Thank you.
pris par surprise. Je m'y attendais pas. Exactement. Concentre-toi. Concentre-toi, Atreus. Une statue d'oiseau. Et des ressources utiles. C'est d'abord pour ça qu'on est venu. Mais la plupart de ces coffres ont été vidés. Sûrement par les pillards. J'espère qu'ils n'ont pas pris la pierre à aiguiser de Sindri. Sentiment pour la prochaine. On trouvera peut-être même la pierre à aiguiser. Rappelle-toi ce que je t'ai dit à propos de tes espoirs, Atreus. Je dois rien espérer, je sais. Mais quand même, j'ai un bon pressentiment. Oh!
J'étais préparée cette fois. J'ai vu. Alors je dois rien espérer, mais je dois m'attendre à ce qu'on m'attaque à tout moment. C'est un équilibre délicat. Attends-toi au pire, ne tiens rien pour acquis et essaie d'anticiper les attaques. Ça fait beaucoup de choses à mémoriser. Oh!
Côté droit, frère. Toujours pas de pierre à aiguiser. J'ai plus qu'une seule. Je sais que je dois rien espérer, mais... Tu penses qu'elle est dans celle-ci ? Non. Viens te soulager sur mon cadavre, espèce de petite horde. Hein ? Qui êtes-vous ? On cherche une pierre à aiguiser. Vous l'avez vue ? Oui, il y en avait une dans cette pièce. Mon fils a aiguisé sa dague avec, juste avant de me poignarder dans le dos. Quoi ? Ce petit bâtard estimait que c'était à son tour de diriger mes gars. Je n'ai pas été tendre avec lui, c'est vrai. Ça ne devrait pas me surprendre. J'ai fait la même chose à mon père quand j'avais son âge. Il a tué son propre père. Où est-il maintenant ? Ah, c'est peut-être un meurtrier, mais ça reste mon fils. Ne compte pas sur moi pour t'aider. Alors sa dague nous aidera. Hey ! C'est à moi ! Hey ! Viens, Atreus. On s'en va. Sûrement pas. Huh?
c'était bien. Est-ce que son fils l'a trahi? Tuer son propre père pour un trésor? Il faut être vraiment cupide. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ne tiens rien pour acquis. C'est vrai qu'il avait pas l'air d'être un très bon père. Mais quand même... Tu ne connais pas toute l'histoire. C'est vrai. So